On va tourner la page et parler des activités des membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre à la primature, où le professeur Daniel Onaondo a longuement conféré avec le directeur général d'RTL Afrique, l'économie des discussions entre les deux hommes. Le reportage, Claudette Ewo-Rojichon, Antonio Dibal, Patrick Demabio de la presse La Primature. Chaleureusement accueilli par le Premier ministre, professeur Daniel Onaondo, qu'il rencontre pour la première fois, le président directeur général de la multinationale de téléphonie mobile RTL Afrique, Christian de Faria, en visite de routine dans notre pays, a décliné la politique d'investissement de cette société de télécommunications tout en remerciant les autorités gabonaises pour leur soutien à RTL Gabon. Cette fois-ci, avec son Excellence le Premier ministre, ça a été pour moi l'occasion de faire un tour des problèmes que l'industrie des télécoms rencontre ici dans le pays. Je lui ai exprimé notre satisfaction d'opérer ici en République du Gabon et surtout de lui parler de notre politique d'investissement que nous allons avoir et continuer à dérouler ici dans le pays. Nous avons lancé la 4G il n'y a pas longtemps sur tout le pays avec une couverture nationale. Nous allons continuer vraiment d'investir dans ce pays. Nous avons déjà investi plus de 75 milliards de francs CFA depuis que nous sommes arrivés ici en 2010. Nous allons continuer ce programme d'investissement ici sur le pays et surtout continuer notre développement de ressources humaines. Prenant en compte les orientations du chef du gouvernement pour la qualité du service et l'accès à toutes les couches sociales au réseau Internet, le PDG de RTL Afrique a promis une amélioration drastique et urgente de son réseau national, gage d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'État.